La bande-annonce de François. La bande-annonce de François. La bande-annonce de François. La BA de François. La BA de François. Ok, quand tu veux, François. Je veux pas de traces de cet entretien, je devrais même pas vous parler du tout. Cette semaine sur Canal+, découvrez en exclusivité Spotlight, Oscar du meilleur film et du meilleur scénario en 2016. Va falloir être plus discret que d'habitude, ok? À votre place, je ne dirai rien. L'histoire vraie d'une enquête impossible. Une équipe de journalistes face au plus grand scandale du clergé. Ils tenteront de faire taire tous ceux qui parlent. Leur but, faire éclater le secret le plus honteux de l'Église catholique. Le groupe de musique Les Prêtres. C'est sur le scandale des prêtres pédophiles, François. Ah, tout de suite, les clichés sur le showbiz. Ah ouais. 13 Hours, l'adaptation américaine du 13h de TF1. Monte dans la bagnole, vite. Des journalistes de terrain prêts à tout pour ramener les images d'une usine de sabots en Corrèze. Surréaliste. Un autre monde. L'opération tourne mal. Ils doivent passer la nuit seuls à Brive-la-Gaillarde, coupés de la civilisation. Ça fait 3 heures qu'on poirote ici. J'ai pas pensé à ma famille une seule fois cette nuit. Réussiront-ils à livrer les images à temps à Jean-Pierre Pernaut? C'est bon, François, t'as fini? On peut passer au vrai pitch sur le terrorisme en Libye? T'as compris la blague avec le trésor? Oui, François. Frontière Mexique-États-Unis. Des hommes et des femmes tentent de traverser illégalement quand ils sont pris en chasse par un homme sans pitié. Il nous tire dessus! Un film qui résonne étrangement avec l'actualité américaine et l'élection de... une bite? Tu parles de Donald Trump? Ah bah non, il y avait une bite à l'image. Rembobine, regarde. Là, à droite, dans la terre, c'est une bite, non? Franchement. Ça fait plaisir de bosser avec un vrai cinéphile, en tout cas. Bah non, mais regarde! Promets-moi de ne dire à personne pourquoi je suis parti. Préhistoire, il y a 12 000 ans, au temps des mammouths, au temps des dinosaures, au temps des pharaons, au temps des vikings, au temps des rastas. Attends François, tu t'égares un peu là. Autant pour moi. C'est très simple, ça raconte juste l'histoire d'un homme qui recherche celle qu'il aime dans des décors préhistoriques. Donc pour l'époque, t'embête pas, dis juste paléolithique. Mais j'ai pas dit léolithique. Non, dis juste paléolithique. Mais je n'ai pas dit léolithique. On va pas perdre de temps avec ça. Ah bah tu vois, quand t'as tort, tu le reconnais jamais. Et oublie pas de regarder les films la prochaine fois. Bah, où ça? Sur Canal+, François. Ah.